Salut, c'est Suzanne sur Minglead. Alors du coup, je m'appelle Suzanne, je viens d'Avignon. Je ne sais pas si vous entendez mon léger accent. Oui, certainement, mais du coup, voilà, je fais de la danse et de la musique depuis assez longtemps. J'ai commencé par la danse assez petite. J'ai découvert la musique par le corps, donc. Et puis, plus tard, j'ai décidé d'écrire des chansons. Bon, là, je fais un peu synthétique, mais j'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours écrit, pas sous forme de chansons, c'est arrivé plus tard. Mais en tout cas, j'écris des chansons françaises. En fait, j'aime bien dire que je suis une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. Déjà, en fait, cette combi, elle vient du fait que je voulais que la danse soit quand même assez centrée sur ce projet. Et puis, je voulais me sentir à l'aise déjà dans cette combi. Je voulais qu'elle soit jolie, mais surtout me sentir à l'aise. Et donc, c'est vrai que quand on met des chemises et des pantalons et on lève les bras et la chemise qui se barre et tout, c'est jamais agréable. Moi, j'aime bien danser et être, sans me dire, ça risque de péter à tout moment. Et puis, donc, la combi, c'est parti de ça, d'un certain confort dans le mouvement. Et puis, je me suis vachement inspirée. En fait, mon père adorait regarder Bruce Lee, La Fureur du Dragon. Du coup, je me suis pas mal inspirée de la combi de Bruce Lee, tenue un peu de combat, quoi. Et puis aussi Elvis Presley, parce que j'ai travaillé dans un resto où on servait des burgers et il y avait Elvis Presley de partout sur les écrans. Et je le voyais dans ses différentes combis en train de danser et ça me faisait beaucoup rire. Et du coup, voilà, je me suis dit, cette combi, c'est un petit peu mon bleu de travail. Alors après, mes influences, c'est vrai que moi, ça part pas mal du texte quand même. J'aime bien dire que c'est de la chanson à texte, donc j'aime bien que l'histoire vraiment ressorte, après qu'il y ait des ambiances différentes sur les instrus. Après, c'est toujours des inspirations quand même assez électroniques. Je compose sur Logic, avec une petite Akai Mini. Après, c'est des moods assez différents, selon l'insatisfait, selon la flemme, c'est aussi selon ce que je raconte. Donc l'instru va changer, l'ambiance va changer. Mais en tout cas, ça reste quand même toujours des textures assez, assez électroniques, ouais. En fait, je suis pas ce type de femme qui veut toujours être belle, belle, belle. Qui s'impose en tout cas cette beauté quotidienne. Je veux dire, il y a des jours où je vais me balader sans maquillage, sans problème. Je pense que c'est super aussi, les filles au naturel. Et puis voilà, ça dépend dans le contexte dans lequel on se présente. Après, moi, c'est vrai que ma touche de féminité, c'est le rouge à lèvres. J'ai toujours aimé le rouge à lèvres. C'est le seul truc que je pouvais mettre, parce que moi, le maquillage petite et tout, c'est jamais été mon grand truc non plus. Mais le rouge à lèvres pendant les spectacles de danse, c'était le... C'est limite mon petit gris-gris, quoi. C'est devenu un peu ça. Et voilà, donc... Mais en tout cas, non, les femmes sont belles avec, sans maquillage. En tout cas, comme elles veulent l'être, en tout cas. La suite, c'est toujours dur de la... de la projeter, parce qu'il se passe tellement de choses que j'aurais même pas imaginé, en fait. Rien que ça, ce soir, en fait. Rien que les Franco sur la grande scène Jean-Louis Foulquier. Je pensais pas que ça allait arriver un jour dans ma vie, aussi vite. J'essaye de profiter surtout de chaque moment. Pas forcément penser à la suite, même si forcément on y pense un peu. Mais la suite, ce serait top, en fait, que ma musique se propage. Et que les gens viennent en concert et puis qu'on partage des trucs, quoi. J'ai quelques trucs, j'ai des dates en septembre. Niveau live, ça commence à bien bouger. Et puis, je vais commencer à bien tourner un petit peu dans notre chère France. Donc, pour aller raconter mes textes en français. Donc, c'est parfait. J'ai hâte, en fait. Mais en tout cas, les festivals, merci aux programmations, en tout cas, notamment aux Francofolies, de m'avoir programmé, parce que c'est une chance inouïe. J'ai des réseaux. Alors, par contre, parfois, les gens ont du mal à me trouver parce que je m'appelle Suzanne avec un seul N. Et souvent, le 2N, les gens galèrent. Donc, j'ai Insta, Suzanne Musique, vous pouvez me trouver. Et puis, j'ai Facebook, j'ai Twitter. Bon, je suis un peu moins active sur Twitter. je suis un peu moins active sur Twitter. Ça arrive, mais voilà. En tout cas, je suis sur tous les réseaux. YouTube, il y a les deux premiers clips, si en tout cas les gens ne l'ont pas encore vu, les auront pas encore vus, pardon. Et puis, voilà.